lui. Il s'échappait pour les fêtes de village. J'avais quitté Ustaritz. Pas toi. À 18 ans, juste avant 18 ans. C'est vrai, oui. Le premier dimanche de mai était consacré à la Sainte Vierge. Il fallait aller à Lourdes. Et en bus. Et moi, j'avais horreur des bus parce que j'étais malade en bus et tout ça. Et en plus, il se fait qu'à Ercureil, c'était la fête du village. La première fête du village, c'était toujours Ercureil, dans notre coin, là, à Sparin. Et au lieu d'aller à Lourdes, sans rien dire, je suis allé aux fêtes d'Ercureil où on avait un bon petit repas, le meilleur repas de l'année que ma mère préparait, où elle rassemblait tous les enfants, parce qu'on était nombreux. Et c'était là. J'ai commis le crime de lèse-majesté quand j'étais en première. Bon, rien ne s'était passé, personne n'avait rien dit. L'année d'après, je refais la même chose. J'étais en terminale, là, en philo. Et au retour, le lundi matin, convoqué devant tout le monde, devant au réfectoire, devant tout le monde, Michel Echeverry, où tu étais hier, etc. Et alors, résultat, le directeur me dit, bon, ben, tu vas être exclu pour 8 jours. C'était au mois de mai déjà. J'ai dit, bah, très bien, alors je ne reviens pas. Et il m'avait obligé à revenir, parce que pour présenter le bac, il me fallait le carnet. Le cahier, et je ne l'avais pas. Alors, à force de m'envoyer le curé et compagnie, ils essayaient de me rattraper pour aller au séminaire, parce que j'avais dit, non, j'irai pas au séminaire, c'est fini. Et donc, voilà comment j'ai quitté. Bien avant lui, mais lui était encore élève en première ou un truc comme ça. Et là-bas, à Ustaritz, ça jouait pas du tout? Oui, on jouait même, oui. À Ustaritz, oui. Voilà. Enfin, il y a eu des bons joueurs. Il y a eu des bons joueurs, oui. Michel Echeverry a joué là-bas. Oui. De Vedette. Oui. Et chanteur. Oui, Michel Echeverry. Il jouait en pelote. Il jouait très bien à pelote. Il y avait les Jeux Olympiques, mais je ne sais pas si la pelote comptait dans les résultats de l'interclasse. Non, pas la pelote. Oui. Ah, Ustaritz. Au printemps, il y avait. Il y avait une épreuve qui s'appelait de 100 mètres de long. Alors, on faisait un tracé. On courait, il y avait le foot, il y avait le. Et pas la pelote. La pelote, non, c'était l'athlétisme plutôt. Et l'entrée, l'ouverture des trucs, par classe avec un capitaine. Et on passait devant la statue de Saint-François-Xavier en disant tête, hop, un, deux. J'ai une photo de cette. Comment les savoir si je l'ai là. Je ne sais pas où elle est. Ouais. Oui, on était embrigadés déjà. Tête droite, un, deux. Tout ce que vous avez transmis aux enfants après. Alors. C'était les Jeux Olympiques sportifs, mais il y avait également les épreuves. Une épreuve intellectuelle. Ah oui. Il fallait écrire des vers, enfin faire une poésie ou comme ça. Et comme je n'étais pas sportif, je faisais la poésie en basque. Et ça m'est resté. Je n'ai pas été un grand sportif. Moi, j'ai fait jouer les autres plutôt que jouer moi. Vous avez écrit toute votre vie? Comment? Vous avez écrit des vers toute votre vie? Oui. Oui? J'adore ça. J'en ai écrit pendant longtemps, là, j'aurai le temps, mais je ne fais pas, mais oui, je faisais des... En basque. En basque, il y en a qui ont paru dans Heria, même. Des chansons aussi, non? Comment? Des chansons aussi, non? C'était des berceaux, oui, sur un air que je choisissais moi-même, enfin, à peu près toujours le même, mais bon, c'était... Château-faux. Là où j'étais, je pouvais chanter faux autant que je voulais, en criant comme je voulais et lâchant que je voulais, parce que je savais beaucoup les paroles de beaucoup de chansons qu'on apprenait sur Charamela, le petit livret rouge qu'il y avait, et celui-là je l'avais. Comme j'avais bonne mémoire quand même pour apprendre, je savais les paroles
2, 3, 4 strophes, même des fois les 20 strophes de certaines chansons. Vous ne trouvez pas que ça s'est un peu perdu, le oui. chant et la pelote? Le lien qui avait les soirs de partie. Au labour, là-bas, avec Kerai, Asparin, tout ça, ça chantait, après les parties de pelote, tout ça. Mais ici aussi, quand on a fait des repas, tout ça, on n'arrivait jamais à finir même la première strophe, en quelque sorte, parce qu'ils ne savaient pas les paroles ici. Ils savaient, les gens ici n'apprenaient pas les chants basques traditionnels. À la Mikousse. Oui. Depuis, quand il y a les nouvelles chansons de Tchamendi Lara, tout ce qui sont arrivés, tout ça, que les jeunes les ont apprises avec d'autres moyens, là, ça s'est amélioré un peu. Ils savent quand même maintenant, les jeunes. Mais ceux de notre génération ne savaient pratiquement pas les paroles de Charamela, par exemple. Il y a, ça s'est perdu. Pas pratiquement ici. En fait, pour vous, il y a quelques rares qui la pelote, le charret, le chant, la langue ont été sauvegardés. Bien sûr. Ah, oui, c'est bilan que vous tirez. Et le poulet tous les dimanches. On est de notre pays, alors tout ce qui vit dans le pays, ben, on y a participé plus quand, ou moins. Quand je voulais aller tirer, on m'avait dit « Oh putain, j'ai dit le mot là. Alors, quand, tu l'as déjà dit avant aussi. Tu mangeras tous les jours, tu auras du poulet. Ah oui, s'ils savaient c'était la grosse plaisanterie quand on nous avait envoyé au collège pour être séminariste. Un petit mot de conclusion. Je t'ai dit, chacun. Moi, je t'ai dit bravo et j'espère que vous irez dans le sens du projet que je n'ai pas pu réaliser, à savoir être le centre, le cœur du chalet en France, en invitant le pays à côté. Ça peut, si chaque famille, enfin pas chaque famille, mais si une famille prend deux joueurs étrangers, entre guillemets, c'est faisable. Et ça peut rapporter gros. Il faut semer pour récolter. Et on sème beaucoup, mais on ne récolte pas tout, heureusement. Il faut avoir envie. Et moi, je suis très content de voir que quelqu'un de bien plus jeune que nous et continuer à avoir les mêmes illusions que nous avons eues quand on était jeunes. Oh, pas les illusions. Le plaisir de développer la pelote alors que bon, on n'était pas parti pour ça au départ. C'est le hasard qui a voulu que, en particulier les enfants, les jeunes de tous les villages d'Amikousse qui jouaient chez eux plus ou moins et qui avaient envie de continuer à un niveau supérieur, c'est-à-dire en compétition. Et c'est là que on avait mordu, nous. Et je vois que ça continue. Et on a été tellement fusionnels que les gens qui nous rencontraient en ville ne savaient pas si c'était M. Pochelu ou M. Echeverry. Mais ma femme, il y en a qui disaient Monsieur, Madame Pochelu. C'est terminé pour. On termine bien. C'est la superbe conclusion. Conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. De rien. Non, avec plaisir. Tu effaces, hein, si on a dit des. Je n'efface rien, c'est inestimable. Non, les putains, tu vas les effacer, oui, quand même. Hein.